Le Maroc, tu sais, on a une grande rivalité entre nous. C'est limite le classico africain. Voilà, il faut juste jouer sans pression. J'ai confiance en nous. Pour ceux qui ne savent pas, William, c'est un très très bon ami à mon petit frère. William venait à la maison depuis qu'il était petit, venait chez mes parents et dormait là. Toi, tu as fait le choix très rapidement, très jeune, de choisir le Congo. Tu as joué avec les U20 du Congo. Et lui, bon, Théo, on l'appelait Théo Messi, mais lui, on l'appelait Neymar. Explique-nous un peu comment ça se passait, comment tu as fait ton choix et au début, comment c'était. J'aime vraiment beaucoup mes cultures, donc les cultures de mes parents, donc, et qui sont du Congo. Donc pour moi, le choix n'a pas vraiment été difficile, mais voilà, j'aurais à avoir, comme on dit chez nous, la bénédiction de mes parents. Ça veut dire que mes parents acceptent aussi mon choix. Parce que voilà, on sait, par moi au Congo, voilà, faut faire attention à certains trucs. Voilà, je vais pas aller dans les détails. Mais voilà, j'attendais vraiment leur bénédiction. Mais pour moi, le choix était déjà fait. La preuve, j'ai dû faire un choix juste pour les U23, alors qu'à ce moment-là, rien n'était acquis. J'aurais pu encore me retourner vers la Belgique. Mais voilà, moi, j'avais déjà décidé de jouer pour mon pays parce que ça fait partie de mes rêves. J'aimerais bien pouvoir aider mon pays à réaliser de grandes choses. Et dès que t'es arrivé, t'as fait quelques matchs, t'as fait quelques gestes. Ronaldinho, Neymar. Donc, comment tu le vis, Neymar congolais? J'ai pas eu besoin d'avoir un temps d'adaptation. Après, voilà, dans mon éducation, moi aussi, j'ai été éduqué avec le Lingala, le Swahili. Donc, pour pouvoir communiquer avec les autres joueurs, c'était beaucoup plus fluide. Donc, après, j'ai joué juste mon football. Les entraînements, c'était bien et tout. Et le premier match que j'ai joué au Stade des Martyrs, pardon. Je vais pas vous mentir, il y avait eu énormément de stress avant de jouer parce que pour moi c'était une première. Je tiens à vous dire que c'est pas la même chose qu'à Et Sclessin. le stade des Il y a beaucoup martyrs, c'est plus de assez gens. spécial. Hein, pour dire ce qui est le Ouais. stade de martyrs, c'est très spécial, les gars. Ouais. Ouais, donc on gagne le match là-bas. Je monte, je fais un bon match. Le stade, après mon premier tir de balle, ben, tout le monde s'est levé. Ils étaient très contents. Et c'est d'après ce match-là, ben, qu'on m'a surnommé le Neymar congolais. Lui, ouais, mais Balikwisha est là tout seul. Feinte, tir. Et but! Balikwisha, le voilà, son premier but sous ses couleurs anversoises, 1-0. Est-ce que tu en parles des fois avec ton frère de l'équipe nationale? Bien sûr, j'en ai déjà parlé plusieurs fois que voilà, il y avait quelque chose à faire en équipe nationale et que voilà, il y a une nouvelle génération qui va arriver et que ce serait bien qu'ils puissent monter dans le train aussi avec moi et qu'on puisse réaliser notre rêve de faire de grandes choses avec l'équipe nationale. Après, voilà, il est dans une bulle un peu de, voilà, on verra ce qui va se passer. Aussi, il regarde par rapport à moi, tu vois, il regarde aussi par rapport à moi, voilà, qu'est-ce que l'équipe nationale fait avec William et tout. Et donc, en fonction de ça, ben, je pense qu'il va bientôt faire son choix. Enfin, en tout cas, je l'espère. Quelle est la chose que Olia, quand tu vas au pays, tu te dis non, ça il faut que je tape, c'est quoi? Une chose que je vais au pays, que je peux pas rater, c'est le poulet mayo. Parce que c'est vraiment une dinguerie là-bas. Non, je l'ai mangé à ma dernière sélection pour la première fois. Je peux te dire que je me mange encore les dents. Le Maroc, tu sais, on a une grande rivalité entre nous, Maroc, Congo, surtout ici en Belgique, et on va devoir les confronter ici. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce match, qui est un match dans le match? C'est limite le classico africain. Voilà, il faut juste jouer sans pression. Et normalement, ça devrait vraiment bien se passer parce que voilà, j'ai confiance en mon équipe. Essaye de prendre le plus de plaisir possible et tu verras que ça va bien se passer. Merci, Paulo. On est ensemble.